En tout cas, j'aime la gueule que ça. Est-ce que j'essaye direct? Et puis on le tolère et on l'accepte? En fait, l'idéal, ce serait d'avoir une voile et surtout de pouvoir diriger le ventilo, vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir faire tourner le ventilo gauche, droite, avec ça, en fait. Ça, ce serait dingue, mais c'est pas possible. Je trouve pas ça si malhonnête, hein. Ouais, c'est pour ça, vous voyez, j'aimerais bien voir les planches de gros saillé là. Mais il est nulle part, ce gros connard. Ça pollue partout, hein. Mais à la seconde, on a besoin de cet enculé. Disparu, quoi. Je vous jure, la fraude. Mais turbine à la place de miroir, non. Panneau grossaillé sur la côte. Et carré, ligne droite à l'est. On n'est pas à droite. Je veux dire, genre là.
putain, il est... Il est sur la falaise là. J'ai vu le coffre, mais il y a de la merde dedans, on s'en fout. Après, on a trouvé une machine. Ah oui, grosse planche quand même. Ah oui, oui, oui. Ah. Il y en a deux en bas. Lucky là, non, peut-être pas. Jamais assez de zonaï, putain de merde. Faut que je m'en donne 9-9-9, hein. Faut que je fasse le taf à un moment. Ça colle pas un bouclier, hein, un bouclier ça pourrait être une idée, hein. Mais j'ai peur que malheureusement ça manque de surface, hein. Vous voyez bien que le jeu est assez énervé côté surface, il veut de la surface. Donc
C'est des gigaplanches, ça. Elles sont trop grosses, putain. Allez, vas-y. Quando la luna carmesì bagna. Voilà, la luna carmesì. Ok. Moyen de faire plus petit. Là-bas. Là. Ok. Ensuite, tac. Parfait. Là.
Test du prototype. Flottaison parfaite. Début de la manœuvre. Succès total de l'opération. On pourra même augmenter le nombre de planches. À mon humble avis. Si jamais on tombe sur une entreprise agro, ça y est. L'augmentation du nombre de planches est quelque chose qui est possible. Écoutez, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Un petit ou deux, un ou deux ventilos en plus serait pas de refus, j'avoue. Ce serait une poussée somme toute non négligeable. Juste à l'arrière, tu vois. D'autres ressources. Des planches, matelot. Des planches. Yarr.
Yarr! C'est un truc où il faut, pour rester à plat, penser que c'est efficace, c'est une bonne idée. Ça m'a l'air d'être une idée à con. Hein. Ouah, ça change tout! Quoi, ces bateaux qui sont fumés de style? Et du coup, j'ai pas de voile, malheureusement. Si j'avais une voile, ce serait légit, hein. Ça au moins je l'ai sauvegardé. Tu l'avais pas encore vu? Non, c'est la première fois que je vois ce bateau, hein. Moi qui me faisais chier avec une machine. Le problème des voiles, c'est que ça dépend full du vent. Bah non, avec un ventilo c'est réglé en fait. Mets-le au-dessus. Non, parce que la planche est plus... La planche est plus stable que le bateau. Comme je pense que la planche c'est un artefact Zonai, je suis persuadé qu'elle est bien meilleure que le bateau en fait. Bon. C'est marrant que ça influe ça. Oh well. Oh,
Ah, ça avance aussi vite qu'avant avec le ventilo. C'est pas ce que je voulais faire, petit piou-piou. Je suis à contre-courant. Waouh, il y a un courant là, mon frère.
direction Akala. Atterrissage sur la plaine en tournicoton. Objectif. Amulette de téléportation. Yar, matey. Est-ce qu'on peut reconnaître que cette machine est historique? Alors, à quoi on remplace? Ouais, ouais, y a pas à chier. Y a pas à chier. Je pense qu'il y a pas à chier. Hop, allez, hop, zap, ça zap.
Effet moulin. Accélère. C'est bon, ça marche. Ça marche. Ça va. Pourquoi faire simple quand on peut faire la machine ? Et je viens d'avoir l'illumination sur comment augmenter sa vitesse. En mettant une roue maîtresse inversée, stabilisée, qui elle-même va transférer sa rotation à une roue extérieure sur laquelle se trouverait l'épale. Ah, vous savez ce qui est le plus satisfaisant ? Ah. Ligne droite. Ah.
Ah. We did it! We did it, Reddit! La machine! Vite, faites des offrandes à Poséidon! Faites des offrandes! Faites des offrandes! Offrez-les! Captain Mécaper, la machine! Nous voici rendus, fiers matelots! Le voyage fut long! Et nous sommes enfin parvenus!
À nous deux, bon gobelin, la machine. Il fuit. Il y a la foudre et tout. C'est une attaque! L'abordage. Surprise! Shit! Surprise! Ouch! Surprise! Ouh!
bombe à tarder à retardement. Cette guerre civile. Je leur ai mis dans le coin du cul. Eh ben, y a rien d'autre sur ces bateaux, on est d'accord, hein. Incroyable, mais quel massacre, mais oui. Cette guérilla, mon gars. Oh well. Tu vois le rocher tout en bas, regardez. Voyez ? Enfin. J'adore rouler sur la gueule de ces fils de pute. Oh, c'est le labyrinthe. Damn.
Nous allons donc devoir pénétrer dans ce temple et malheureusement abandonner la machine. Quoique. Débloquer le labyrinthe, ce serait pas un mal en vrai. Ah, j'y suis. Fou. Ah putain, il est dans le labyrinthe. Premier jour de recherche, ça a fallu 2 jours pour atteindre cette île perdue. Les ruines étaient droit devant nous, mais nous sommes épuisés. Professeur Taureau a tout de même trouvé l'énergie de déchiffrer la gravure. Lorsque le cercle de dragon, plus profond du labyrinthe, sera réveillé, la récompense te sera donnée. Allez, de glands et de fruits d'azur, je marquais le chemin et pas me perdre. Aquatique. J'ai pas la map. Si c'est bon, j'ai la map. Bien, t'as une entrée sur les côtés. Putain. Good.
Ici, je dois en activer qu'un, c'est ça le... C'est ça le twist. Le truc, comme on dit. T'as rien à activer, faut juste suivre les fruits. Shit. Fallait juste que je suive les glands. Merde. Bon bah rip le bateau. Alors, oui, oui, il y a la VAD, vous en faites pas. Je la réactiverai une fois que le live sera terminé. Je vais prendre cette torche parce que je sens le bail. Troisième jour, trouver une relique zonaï. Blablabla, blablabla. Je t'accueille à ma qualité de maître des dragons. Super, on s'en bat les couilles. J'ai ouvert une autre porte pour toi. Rends-toi au sud du labyrinthe céleste, putain. C'est pas les ballons, mon kiff, c'est le chiffre 5. C'est spécifique.
Huh?
Ça arrive. Dommage. Ah. Alors. Ah. Good. Alors. The machine. Pam
Cool. Ah! Go. Déjà vu. I've just been in this dragon before. Higher on you porn. Nothing can stop the furies. Voilà. Bob, t'es un furie? Non. Et si vous commencez à revendiquer des choses, je vous mets dans des camps! Politique Bolsonaro ici. Ou Duterte. C'est lequel qui a éliminé genre 11% de sa population pour éradiquer le problème de la drogue? C'est terrible. PTDR, j'ai rien lu. Fait que j'arrive en haut, c'est ça? Quatre trucs activés. Ah, enfin! On est dans les corridors du vent, là. Cool. Sauf que j'ai pas la map, donc je sais pas où je vais en vrai. Wouah! Trois mois! Bon, c'est pas délire. Chier, ça me sort pas.
Oh putain, je suis un écureuil qui tapine. Putain, ils sont où? Mais ça t'avance à rien, les terminaux sont pas proches du haut. C'est pour éviter tout le couloir, mon cher Leg. C'est parce que sinon je suis perdu, tu vois. Parce que j'ai pas la map du lieu. Donc tant qu'à faire, autant... autant pouvoir traverser les couloirs de façon calme et raisonnée. Et je suis tombé dedans, tant pis. T'as une quête qui t'indique leur position, c'est vrai? La putain, il a raison. Shit.
J'y suis. Parfait. Un plan sans accroc. Shit. Et là, t'as le droit de t'accrocher ? Apparemment. Je vais pas chier sur ma chance, hein. On va pas se plaindre, hein. Putain, cette escalade de la tour Karim, quoi, quel enfer. Oh non, vous pouvez pas me faire ça. Putain, je déteste. Oh, j'ai pu m'accrocher, quel miracle. Va à nos péniens finales. Pour ça, on a déjà notre petite méthode. Quoi qu'attends, là, il y a du vent pour monter tout en haut. Ah ouais, super cool. Ok. Putain, je voulais pas faire le labyrinthe, mais... Toi qui as traversé le labyrinthe, Céleste. Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la planète Terre depuis le labyrinthe, Céleste. Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la Terre. La voie finale, t'es ouverte. Mais au final, on va même pas utiliser les guacmibo. On va le faire ça juste après. J'irai faire un bisou à ma chérie, puis... Kino. Excuse-moi. Fuckboy. Merci, fuckboy.
Alors, est-ce qu'on va avoir une conversation avec ce Golmax? Avec ce Golemon en chef? La réponse est non. Cette arène t'a doxé, ainsi que ta force physique et mentale. Ta valeur est indéniable. J'en connais ton exploit en tant que maître des dragons. Reçois la récompense que tu mérites. Swag. Cap. Ouah. Oh, sacrifiez-moi vos femmes. Ces donjons à faire. J'ai une question à vous poser, braves gens. Il y avait une mission qui disait pose ton épée magique de je sais pas quoi. Il y avait un truc qui disait pose ton épée de... Pose ton épée de soldat du cul. C'était à l'amphithéâtre, au sud de la plaine d'Hyrule. Parce que j'en ai une épée de soldat, alors elle est corrompue, mais j'espère qu'elle marche. Donc c'est là, hein. Cape de Lambda 2, c'est ça.
C'est là. Ok. Eh bien, écoutez, je vais coucher ma copine. Je reviens. Petite pause, 10 minutes. Voilà. De toute façon, ils te fournissent une autre épée. Ah. Bon, bah, très bien. À tout de suite. Ah oui, c'est vrai que c'est ici, c'est le cas hostile. Quoique, attends, on va faire du kino, hein. Voilà, je vous laisse apprécier. Thank you.
Alors eux. Voilà. Alors. Ma barre. Oh ma barre. Fruit de vapeur max. Voilà.
Ah. Effectivement, Legnerif, merci. Voilà. C'est explicite. Ouais. Oh. Ah. J'arrive pas à créer le bug de l'Elusis qui repop. À quiconque lira ces lignes, un trésor aura nul autre pareil obtenu dans les mystérieuses contrées t'attend la terre d'un coffre caché. Résous l'énigme ici, le masque du rêve sera à toi. Dans les colonies runes, Dranier tient dans sa main des ruines couvertes d'arbres, telles de grands champignons. Relis-y à l'heure de midi l'ombre noire du pilier du sud de celui du nord. Au centre de l'obscurité s'ouvrira la voie vers mon trésor. J'ai déjà, ouais. Ok. Yay! Excellent. Bon. Eh bien, écoutez, voyons voir nos matériaux. Bon, pourquoi pas, ça se garde, ça. Ça, c'est de la merde. Ça aussi. Ça, c'est utilitaire. Ça, depuis le temps que je l'ai, il m'a jamais servi plus que ça, donc... On est en train de préparer le stuff de Guacmibo. Et question, est-ce que je peux avoir plusieurs arcs de l'aigle ultime? Ça coûte des diamants et un peu d'argent, mais... j'ai récupéré plein d'arcs de l'hirondelle exprès pour ça. J'espère que le père de l'autre... l'autre piou-piou, il pourra m'en... Nope, un seul! Oh, c'est sérieux. Parce que là, il vaut mieux remplacer... Il vaut mieux remplacer celui que j'ai déjà bien entamé dans ce cas-là. Bon, on va le jeter, un arc de l'hirondelle... Ah non, merde, attends, c'est pas celui-là, c'est... Ah bah il est cassé, justement, c'est ça? Ouais, il est cassé. L'arc résolution, on peut l'abandonner aussi. Ok, je coupe et je relance le live, brave Jean. Afin qu'on profite de la danse de la semence, ainsi que des guacmibo. Tous ensemble, à tout de suite.